alor losako bamama na ngai mersi mingi na ndenge bobelemi liboso ya écran mpo na kotala resete ya mokolo mwa lelo en fait ezali resete te ezali une kassette tuto mpo na kolakisa bino po bamama mingi basengaki ngai ndenge nini esengeli na biso kokata mbisi oyo tokosala poisso sale mbisi oyo tokosala makayabu bakatakango bakata, bakata ndenge nini Eh bien, aujourd'hui, je vous montre comment couper les poissons qu'on doit préparer pour faire le poisson salé. Alors, on commence toujours par la queue. J'ai pris ces poissons-là, ça s'appelle euh, le chinchard, hein, si je ne me trompe pas. Donc, pour ouvrir votre poisson, il faut d'abord laver. Moi, j'ai lavé mes poissons, j'ai bien nettoyé à l'eau claire, au robinet, tout simplement. Après, je le mets là et je vais procéder à couper. Il faut toujours commencer par laquer. On y va. Faites attention à ne pas se blesser. Hein? Prendre un couteau qui coupe bien. Donc, vous allez commencer là et puis vous allez sentir l'os. On continue. Vous avez senti l'os passer au-dessus de l'os. Vous voyez J'ai continué. Voilà. On continue. Hein? Allez jusqu'au fond mais faut pas trouver là-bas ne hein? faut pas trouver là. Donc vous voyez là, c'est je suis en train d'ouvrir le poisson. Allez, on y va. Et puis, ça, c'est le dos du poisson. Hein? C'est le dos du poisson. La tête est bien là. On y va. On coupe. Faites attention et allez, tout doucement. Il faut sentir l'os. L'os du poisson. Voyez bien. Vous voyez, hein? Voilà. Continue. On avance tout doucement. On continue. Bien coupé. Vous avez vu? Là, je sépare le poisson en deux. On y va. On continue. Alors, au niveau de la tête, ça devient un peu plus dur. Alors, un peu plus fort. Il faut insister. Hein? Voilà. Je coupe ma tête en deux. Là, j'ai bien coupé la tête en deux. On y va, on continue. Ça c'est la tête de notre poisson. Bien tenir là-haut. Attention vos mains. Hein. Voilà. Hop là. Voilà. Vous avez bien vu, j'ai coupé la tête. En deux. Voilà. Regardez ma tête. J'ai les coupé en deux. Je vais ouvrir mon poisson. Là. Là, j'ouvre mon poisson séparé en deux. Voilà. Voilà notre poisson séparé. Moyen, je vais vous montrer quand même comment faire pour que votre poisson ne pourrisse pas dans le sel. Il faut écarter certaines chairs. Je vais vous montrer. Alors, cette partie-là, c'est bien charnu. Il y a beaucoup de chair. Là aussi, c'est bien charnu. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu. Là aussi, c'est bien charnu. Il y a beaucoup de chair. Alors, il faut ouvrir un peu avec votre couteau. Là, j'espère que tout le monde voit. Je coupe. Pas jusqu'à la peau. Hein? Vous voyez, je suis en train d'écarter la chair. Ouvrir un peu. Je vais vous montrer à la fin. Là, j'ai ouvert. Vous avez vu? J'ai ouvert là l'autre côté c'est pareil je vais je vais je vais ouvrir là parce que quand vous allez mettre du sel quand vous allez mettre du sel il faut bien le mettre sur la lignée là. Là. Il faut bien mettre les sels dans la chair. L'autre côté plus loin aussi. faut bien mettre les sels dans la chair. Bien mettre, vous avez vu, il faut regarder la cassette. Il hein? faut bien mettre les Voilà. Donc, kedie vougarde kedie vouprotege nzambe abatela bino apambola bino tokomi mbala ya nsima bamama na ngai oyo mpe baye mbala liboso mokolo mwa lelo bosabone mpo makambo ya kitoko eya na luset aline grâce televisio mpona kolakisa bino basekre ya Cuisine. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.